تفسير سورة الكافرون إكزيجاز دو لا سورة les infidèles qui est mécoise. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. Dis, ô vous les infidèles. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. Je n'adore pas ce que vous adorez. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. À vous votre religion et à moi ma religion. C'est-à-dire, dis au mécréant en le proclamant et en l'avouant ouvertement. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. Je n'adore pas ce que vous adorez. C'est-à-dire que je désavoue tout ce que vous adorez en dehors d'Allah, que ce soit en apparence ou de manière cachée. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Et vous n'adorez pas. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore, en raison de votre absence de sincérité et de dévouement envers Allah dans son adoration. Dans la mesure où votre adoration, conjuguée au polythéisme, ne peut être appelée adoration. Ensuite, il répéta, Allah répéta cela afin que la première affirmation indique l'inexistence de l'acte, et que la deuxième montre que l'acte est devenu une caractéristique propre. C'est pour cela qu'il distingua entre les deux groupes et sépara entre les deux confessions en disant لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. À vous votre religion et à moi ma religion. Ceci est semblable à sa parole قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ. Dit, chacun agit à sa manière. Et à sa parole أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. Vous êtes irresponsable de ce que je fais et je suis irresponsable de ce que vous faites.